Bonjour, je suis Inès Prisca, fondatrice de Beauty by Prisca. Nous avons décidé de créer Prisca Beauty pour répondre aux besoins de notre clientèle. Nous allons faire sortir un nouveau produit qui est les lip gloss. Les lip gloss se vendent en trois couleurs, donc un transparent, un cherry qui est une couleur un peu plus rosée, un brown qui est une couleur un peu plus nude. Alors, je vais vous raconter l'histoire derrière ces lip gloss. En fait, en 2019, je suis allée au Ghana, donc j'ai un côté ghanéen, comme vous le Ça se voit pas. Mais en tout cas, j'ai un côté gagnant et je suis ivoirienne aussi. Alors, dans mes promenades dans la ville, je suis tombée sur un kiosque artisanal où je suis tombée en fait sur des symboles qui... Mais je savais pas c'était quoi. J'ai acheté un doigt fée. Donc, c'est un petit symbole en fait en forme de peigne. Donc, en fait, j'ai envoyé ce symbole à ma grand-mère et je lui ai demandé « Mais grand-mère, c'est quoi ces symboles et tout ?» Elle m'a dit qu'il y en a énormément et que ça vient en fait du peuple Akan à Chantilly et tout. J'étais genre « Waouh, ça a l'air intéressant. Pourquoi pas faire des recherches ?» Donc, je suis rentrée à la maison, j'ai fait mes recherches des jours et des jours. Et j'ai trouvé tellement intéressant en fait cette part de culture que je ne savais pas. Donc, je me suis dit « Pourquoi pas partager ?» ça avec vous. Donc sur le packaging en fait du lip gloss, vous allez trouver une ligne de symboles et ces symboles là en fait, ce sont des symboles qui me représentent le plus que j'ai utilisé en fait pour faire cette ligne. Parce qu'on va dire, oui, tu veux vendre un produit, mais c'est pas juste le produit que tu veux vendre, c'est plus l'expérience que tu veux faire vivre aux personnes. Donc j'ai décidé en fait de mettre des petites languettes de messages liés directement aux symboles dans chaque packaging. Alors, lorsque vous allez acheter le produit, vous allez tomber sur des messages d'avertissement, sur des messages d'espoir. Et ces messages en fait sont liés directement au symbole Adinkra. Adinkra, c'est un mot qui veut dire au revoir. Mais ces symboles en fait, ce sont des symboles de royauté à Caen. Et ce sont des symboles qui sont profonds. Nous vous invitons à vivre cette expérience avec nous en allant sur notre site priscabeauty.com. Merci.